Tôt le matin, des hommes quittent Igloolik pour une expédition de chasse aux phoques. Une scène quotidienne aux abords de ce petit village de 1200 Inuits, situé au nord du 68e parallèle dans le cercle polaire. Zacharius Kunuk est le réalisateur du film Atanarjuat, un chasseur d'images qui raconte dans son film une légende du temps où les Inuits étaient nomades, un mode de vie millénaire qu'il a bien connu. I was born just out here. I'm not on the island, but... Je suis né par là, sur l'île de Baffin, dans une maison en terre. Avant que tout le monde ne déménage à Igloolik, nous avions des maisons de terre et nous vivions de chasse et de pêche. Just living off the land, and I was born into that world. When I was growing up, my good memories were... J'ai de bons souvenirs de ce temps-là. Je me rappelle que lorsque j'étais petit, mais assez vieux pour accompagner les chasseurs, tous les jours, sans exception, je sautais sur un traîneau et j'observais comment ils menaient leurs attelages, comment ils parlaient à leurs chiens. C'est comme ça que j'ai appris à trouver le gibier, à repérer les trous par lesquels les phoques respirent. En les accompagnant, je suis devenu chasseur. Êtes-vous nostalgique? Not really. I mean, we're going forward. Pas vraiment, parce que nous évoluons. Mais je m'ennuie des grands espaces. Igloolik est une île, et à cause des glaces, nous y sommes confinés au printemps et à l'automne. Nous voudrions aller chasser, mais nous sommes prisonniers de l'île. Alors, tous ces gens qui sont maintenant à Igloolik vivaient sur le territoire? Yeah, exactly. Exact. You're freezing. Oh, vous avez une engelure. Yeah. You're freezing. Thank you. Yeah. What's the weather today? Combien fait-il? À peu près moins 40? Plutôt moins 37. I was 9 years old when I was sent to school. J'avais 9 ans quand j'ai été envoyé à l'école. Il devait y avoir 600 personnes au village à l'époque. Le gouvernement commençait à ouvrir les écoles et comme mes parents recevaient des allocations familiales, ils ont reçu des menaces. Enfin, pas des menaces, mais on leur a passé le message qu'Ottawa payait et que tous les enfants devaient être à l'école. Un après l'autre, nous sommes déménagés à Igloolik. A, B, C, D, E, A, B, D. C'était partout la même chose. Tous les matins, l'école et ses règlements. Obligation de parler anglais en classe. Ou donne-moi ta main et v'lan. On nous avait appris à écouter les aînés. Ils disaient sauter et nous répondions à quelle hauteur. Vous pouvez vous imaginer cela. Tout reposait sur les aînés et leurs enseignements. Et d'un coup sec, l'Église vient nous dire que vous ne pouvez faire ceci, vous devez faire cela, sans quoi vous irez en enfer. Nous ne savions même pas ce qu'était l'enfer. Our culture's been changed, kicked around in so much that I want to set the record straight. Notre culture a été changée et bafouée à un point tel que je veux remettre les pendules à l'heure. Je veux que les gens voient comment des familles ont été brisées, comment la traite des fourrures s'est faite à leurs dépens
et comment des êtres qui vivaient de la terre et qui ne se sont jamais crus pauvres ont été catégorisés comme tels à cause de la façon qu'ils s'habillaient ou leur manière de faire les choses. D'où vous est venu le goût du cinéma? Je voyais mon père partir à la chasse et quand il revenait, il s'assoyait autour de la table avec ses copains, il buvait du thé et parlait de la chasse. Je me disais, si je pouvais capturer cela à la caméra et le diffuser à la télévision, ce serait formidable, parce que leur conversation était très intéressante. Il est 17h30. Comme à chaque jour, la petite télévision communautaire d'Igloolik est en onde. La télévision n'est arrivée ici qu'en 1983. Igloolik a été le dernier village du Nunavut à accepter que le petit écran y déverse des images venues d'ailleurs. Nous ne voulions pas de la télévision parce qu'à l'époque, le service nordique de la CBC n'avait pas d'émission en Inuktitut. Tous les jours, la petite équipe dirigée par Zacharias Kunuk produit une émission axée sur le mode de vie traditionnel pour contrer l'influence des grands réseaux qui inondent aujourd'hui le Nord par satellite. You're learning in this half hour. Durant cette demi-heure, nous renseignons les gens sur leur culture, comment les choses se faisaient. À cause de l'école, nous avons tout oublié. On en apprenait plus sur les Africains, les Indiens, les Amérindiens, les Japonais. On a oublié qui on était. Alors faire des émissions à caractère culturel, c'est comme jeter un coup d'œil sur le passé. Est-ce que c'est une façon de rattraper la culture inuite avant qu'elle ne disparaisse? Oui, parce que c'est une culture orale. Et nos enfants ont tout appris de cette façon, de la naissance jusqu'à leur mariage. La vidéo, c'est un outil semblable. Pas besoin de papier ou de plume. Il suffit de parler à la caméra. La caméra de Zacharias Kunuk parle aujourd'hui au monde entier. À preuve, les nombreux honneurs qu'il continue de recueillir à travers le monde. Il raconte l'histoire d'Atanarjouat, l'homme qui, tiré du sommeil par des assassins, court sur la glace nu pour sauver sa vie. Un long métrage, une légende, mais une grande rigueur documentaire pour corriger l'histoire. Il y a des réalisateurs du Sud qui sont venus faire des films au Nord et qui ont utilisé des acteurs de Hollywood. Ça faisait Atanarjouat, Charlie Inuktitut. Ça ne marche pas. Lou Philip Diamond, qui court comme Atanarjouat, ce n'est pas correct. Mais des Inuits qui expriment eux-mêmes leur culture, on ne peut pas être plus près de la réalité. How closer can you get? And this was as close as it gets. La réalité a vite rattrapé le réalisateur lorsqu'il a voulu trouver les 2 millions de dollars nécessaires pour financer son film. Il a dû se battre pour avoir accès aux mêmes fonds publics qu'un réalisateur francophone ou anglophone. On l'avait classé film autochtone. Quand on a appris que Téléfilm Canada avait des barèmes et que seulement une infime partie de ses budgets était réservée aux Autochtones, nous étions scandalisés. Que cela se produise au Canada, c'est complètement injuste. Ce n'est pas la couleur de la peau qui compte, c'est le talent. Et en tant que contribuable qui paie des impôts, tous ceux qui ont du talent devraient être admissibles au maximum. Vous savez, il y a encore beaucoup de gens qui croient que nous vivons dans des igloos, que nous nous déplaçons en traîneau à chien et que nous pleurons des cubes de glace. Comme je vous l'ai dit, je veux remettre les pendules à l'heure. J'ai vu trop d'anthropologues qui portaient toute leur attention sur les Inuits qui mangent de la viande. Uniquement cela, la bouffe crue. Les êtres humains, eux, n'étaient que la toile de fond de leurs recherches. C'est une approche. Mais dans les maisons de terre, l'atmosphère qui régnait ne tournait pas autour de la nourriture. Et c'est ce qu'on a voulu montrer avec ce film. L'humour, le rire, la vie. Oubliez ce qu'ils mangent, oubliez le vent froid qui souffle sur le nord. Ce sont simplement des humains.
What day you were on? In my cookie island. Atanarjuat, le coureur rapide, fait le tour du monde. Il raconte une légende inuite et offre un regard peu commun sur la culture du peuple qui a conquis le froid. Mmh.